Alors, la gamme de si bémol majeur. Donc, avec deux bémols à la clé. Si bémol et mi bémol. Alors, d'abord en ronde, vibrato. Troisième, en cinquième, quatre extensions, on descend en quatrième sur un troisième doigt avec les trois doigts écartés et pareil en première sur un troisième doigt. Ouais, ça c'est pour les doigtés de la corde de mi. Alors maintenant, lié par trois. Par 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. La montée dans un archer, la descente dans l'autre. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et ensuite, on peut faire un spiccato, 4 fois chaque note déjà. Thank you.
trois fois chaque note. Toujours par 6. Voilà, et puis après on peut la faire en détaché milieu d'arche avec grand son. Qu'il faut vraiment laisser tomber l'archet, commencer par laisser tomber sur place, à peu près au centre de gravité de l'archet, c'est-à-dire vers le tiers inférieur. Et puis quand ça commence à rebondir vraiment tout seul, il ne faut rien faire avec la main, hein, rien faire avec les doigts, quasiment rien, juste lancer le rebondissement, enfin l'entretenir, principalement avec le petit doigt. Et après on rajoute un petit mouvement horizontal, toujours en gardant cette détente, cette extrême détente de la main. Voilà pour la gamme.